Bonjour les amis, vous êtes la résistance et vous êtes avec les Gilets jaunes constituants au pays de l'Europois. Nous sommes au syndicat Gilets jaunes, SGJ, syndicat Gilets jaunes.fr. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour citoyens. Appel aujourd'hui, c'est appel aux volontaires pour opération à venir. Vous allez nous expliquer tout ça, ou pas trop. Tractage et préparation des élections professionnelles. C'est à vous. Alors, Monsieur Macron, notre président de la République, a changé les lois de représentation du personnel. Donc tous ceux qui travaillent dans des boîtes privées connaissent, et même publiques, connaissent l'ancien comité d'entreprise, les délégués du personnel et le fameux CHSCT, celui qui s'occupait de tout ce qui était hygiène, conditions de travail, sécurité, etc. et qui a découvert de nombreux scandales sanitaires d'ailleurs, comme l'amiante par exemple. Bon. Mais M. Macron trouvait que c'était trop. Donc en 2018-2017, il a fait une réforme, encore une, et il a supprimé ces trois instances pour n'en faire plus qu'une seule, le CSE, Comité Social Économique. Bon. Et donc en 2019, toutes les boîtes privées de France ont dû refaire leurs élections pour supprimer ces trois instances et n'élire que des membres du CSE, une seule instance pour tout faire. Bon, une régression sociale majeure, acceptée à l'époque par les syndicats, comme d'habitude. Bon. Donc, comme les mandats durent 4 ans, que se passe-t-il en 2023? Eh bien, toutes les boîtes de France vont réélire leurs représentants du personnel dans les CSE. Donc, cette année est une année cruciale, syndicalement, puisque ça nous permet de trouver des candidats pour rentrer dans toutes les boîtes privées de France qui vont rentrer en élection cette année. Donc, ça se passe cette année. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voudrait dire, on a déjà des élections qui ont commencé hein, dans des grosses boîtes. Hein, la Fnac, Carrefour... des boîtes de transport, bon, on va pas dire tous les noms parce qu'ils vont se douter qu'après on va aller les voir en gilet jaune, donc on va pas tout dire, mais c'est une année cruciale et donc on a besoin de vous, on a besoin de volontaires pour aller tracter, pour faire connaître le syndicat gilet jaune dans ces boîtes et trouver des candidats pour présenter des listes électorales. C'est ça l'enjeu, parce qu'une fois qu'on est élu, on a un pouvoir, on a un contre-pouvoir, devrais-je dire, et un pouvoir aussi dans les boîtes. On peut avoir des élus, donc on peut avoir plein d'informations sur les boîtes, économiques, sociales, etc. Donc on peut agir en prévention et non pas en réaction, comme on voit tout le temps. Et en plus, on peut avoir un vrai contre-pouvoir significatif dans l'entreprise qui fait que les patrons, au lieu de faire leur loi comme ils font d'habitude et d'imposer les choses aux syndicats qui accompagnent, vous savez, les partenaires sociaux qui accompagnent les réformes et les défaites, en fait, les défaites du peuple. Oui, ce qui porte préjudice aux salariés. Au lieu d'accompagner ça, on va stopper ça. On va avoir un contre-pouvoir qui va agir tout de suite dans les boîtes. Donc c'est fondamental. Et donc on a besoin de bras, concrètement, pour aller tracter sur le terrain. Et tracter, parfois très tôt le matin. Mais il faut y aller, aller à la rencontre des gens, discuter avec eux et trouver des candidats pour les élections professionnelles. Alors, les équipes sont déjà montées, mais c'est pour étoffer ces équipes-là. Vous ne serez pas lâchés dans la nature, hein. Voilà. Non, on est là pour vous aider, vous former. Et puis, on va avoir des tonnes de tracts. On a commandé, je ne sais pas combien, 10 000 ou 20 000, je ne sais plus. Oui, 20 000. Donc, 20 000. Et donc, on va y aller et on va cibler par boîte. Donc, il faut nous suivre et nous contacter pour qu'on vous donne les infos et qu'on vous dise est-ce que vous êtes libre à telle heure, à tel endroit pour aller voir les gens. Ça peut durer 1 heure, ça peut durer 2 heures max, mais c'est important. On a besoin de ça pour montrer qu'on est en force, qu'on est nombreux et que les gens aient envie de nous rejoindre. Alors, sur Paris, région parisienne, mais aussi province? Toute la France. Toute la France? Toute la France. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, que personne ne sait, parce que c'est pas connu, c'est qu'en 2008, parce que ça remonte loin, hein, ces histoires de syndicalisme, Nicolas Sarkozy avait inventé un truc qui s'appelle la représentativité, si je ne me trompe pas, c'était en août. D'accord? Cette représentativité-là, c'est ce qui est calculé lors des élections et ça vous donne un poids. C'est pour ça qu'aujourd'hui en France, vous avez 5 grosses organisations syndicales qui ont ce poids via les élections professionnelles. Donc ce poids est gagné lors des élections. Donc là, cette année, en 2023, tout le monde va rejouer leur poids, d'accord, aux élections professionnelles. Et nous, on va y être, parce qu'on veut peser. Donc vous voulez amener le combat des Gilets jaunes pour la justice, la dignité et le bien commun de tous au sein du monde du travail? Oui, parce que c'est là que tu pèses. Parce qu'en fait, tout remonte au niveau du ministère du Travail. Et évidemment, tout ce qui se passe dans la vraie vie, hein, j'ai envie de dire, tous ces aspects financiers se contrôlent dans l'entreprise, parce que c'est dans l'entreprise que viennent les richesses. D'accord? Ça vient pas du dessus, ça vient d'en bas. C'est nous qui créons les richesses avec toutes les entreprises. Et c'est les salariés en général qui sont les moins bien lotis, parce que les richesses sont mal redistribuées. Donc ça a un enjeu capital. Donc ça, c'est des choses qui sont inconnues, mais nous, on connaît ça parfaitement bien. Donc ça monte depuis 2008.
Et donc, on voit bien l'évolution. En 2008, il y a eu cette réforme, donc qui a mis les syndicats en concurrence, du coup. C'est pour ça qu'ils se bagarrent entre eux, parce que c'est chacun va chercher son poids. Hein. Okay. Donc, ça a mis les syndicats en concurrence. Macron, lui, il a supprimé les instances. Il n'en a fait qu'une seule pour avoir, en gros, deux syndicats majoritaires en France. Et d'ailleurs, ça se ressent, puisqu'on a les deux plus gros. Hein. CFDT, CGT, les autres sont inconnus. Quand on parle de CFTC, personne ne connaît, à part nous, les syndicalistes. Donc c'est une chose qui a été faite pour maîtriser toute contestation sociale. D'accord ? Ça se voit bien, hein, parce que les syndicats maîtrisent bien les... Que ça reste encadré, que ça ne dérape pas comme ça a pu déraper pour le système avec les gilets jaunes, on se souvient du 1er décembre 2018. Et du coup, ce qu'ils ont peur, c'est que la base rattrape le haut de la pyramide et que ça devienne un... Que Martinez se fasse renverser, c'est ça ? Par exemple, ou bien qu'il fasse des actions de par eux-mêmes sans passer par les syndicats, comme on a vu avec les cheminots de la SNCF. Ils ont peur de ça. Donc les syndicats sont là pour les regrouper, les rattraper. Et ils vont le faire à l'occasion des élections professionnelles. Donc nous, on va y aller aux élections professionnelles et on aura une méthode gilet jaune. C'est-à-dire que chaque citoyen est à la limite... C'est lui qui a son propre destin. C'est nous qui avons notre propre destin. C'est pas les centrales syndicales qui vont nous demander ce qu'on doit faire. C'est chaque citoyen qui doit le faire. Donc on va faire ça à la mode gilet jaune, avec le syndicat gilet jaune, pour que chaque salarié puisse récupérer son destin, prendre en main et puisse vivre normalement et dignement. Vous contactez, comment on fait? Il y a un email, contact@syndicatgj.fr. C'est ça. Une chaîne Telegram. Oui, on a un fil Telegram, on peut se connecter. C'est syndicatgj. Voilà. Et là, on balance les infos. Ok. Et on a quoi encore? On a un site internet. Bien sûr. Syndicatgj.fr. Et puis, il y a une grosse OP à venir. Il y a aussi appel aux volontaires pour cette grosse OP. Alors, bien évidemment, vous n'allez pas expliquer les tenants, les aboutissants, le lieu et le moment, non, non. Même dans le temps, on ne va pas le dire parce qu'on ne veut pas que ça fasse de rapprochement à ce qu'on va faire, mais on va faire une énorme OP. Et donc là, c'est un appel à tous les gars et à toutes les filles, ceux qui ont des couilles et des ovaires. Voilà, il y a des trucs à faire. Toujours pacifique et bienveillant, bon enfant, on est clair là-dessus. En fait, on a un outil légal pour se battre. Donc il faut le saisir. Il faut que tout le monde s'en saisisse. Le syndicat appartient à tout le monde. Voilà. Génial. Force et honneur, les amis, on lâche rien. À vous. À vous. À vous. À vous. À vous.